Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Deus Ex Mankind Divided. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a eu quelques changements de tête sur le planning en fait des vidéos. Du coup, en fait, je vais refaire une vidéo pour corriger un peu le planning. Je vais tout remettre à plat et tout. Et vous faire une petite vidéo où je vous expliquerai le pourquoi du comment. Même si bah, vous avez bien compris que Total War Warhammer, c'est un petit peu en pause. Arrêtez la télé. Donc Total War Warhammer est en pause définitive. Je verrai plus tard pour le refaire peut-être un let's play dessus ou alors pourquoi pas sur le 2 quand il sortira. Parce qu'en fait j'avais vraiment pas le niveau, il faut quand même un peu connaître le jeu pour pouvoir s'en sortir. Donc j'ai refait une partie, j'ai effacé la partie que j'avais fait en let's play, j'ai refait une partie. Sur laquelle pour l'instant je m'en tiens un peu mieux puisqu'on est au 130e tour que je viens de caloter le chaos. Il y a les dieux du chaos qui commencent à débarquer, mais j'ai encore quelques tours avant qu'ils arrivent sur mon territoire. Donc du coup en fait je m'en sors vachement mieux. Bon, revenons-en à nos moutons. On était sur Deus Ex Mankind Divided. On était attendu par le boss de la TF-29. Que voilà, donc Monsieur Miller. Je ne sais nos rapports, monsieur. Je pensais vous voir plus tôt, mais vous étiez au téléphone. Oui, en effet. Est-ce que je dois m'inquiéter pour vous, Jensen? Pardon? Ah bon? Non. Pourquoi? Vos systèmes ont pris un sale coup. Non, c'est bon. J'ai la pêche. Je suis allé voir un pote. Et je vais pas devenir dingue. Mis deux coups de tournevis là. Hop. Si c'est ça qui vous inquiète. Vous avez fait un check-up? Ouais, complet. Vos augmentations fonctionnent bien? Je m'en suis occupé. Bien, bien. Je sais qu'après tout ce qui s'est passé, j'ai vraiment besoin que vous soyez à 100%. Vous aviez l'air furieux quand je vous ai parlé. Tout va bien? Ne quittez jamais le terrain, Jensen, vous le regretteriez. À la seconde même où on vous colle derrière un bureau, vous vous retrouverez étouffé par la politique. J'en ai pas l'intention, je suis bien sur le terrain. Comment? Non. Non, ce serait plutôt la police. Ils essaient de nous évincer de l'enquête sur Ruzica. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Je dois enquêter sur l'attentat de la gare. Et pour Dubaï? Oubliez Dubaï. Macready s'en occupe. Bah on va quand même essayer d'insister un petit peu. Avec tout le respect que je vous dois, on n'a rien vu venir à Dubaï. Et ces mercenaires étaient féroces. Ouais, ils étaient bien équipés en plus. Ils étaient augmentés, Jensen. Oui, c'est ce que je dis. Que la piste nous ramène ici. À l'attentat de la gare? Peut-être. C'est bien possible. Mais pour le savoir, nous devons mener les deux enquêtes. Mac est un bon agent. Je sais qu'il trouvera quelque chose sur le masque d'or. Un bon agent. Je veux que vous enquêtiez sur Ruzica. Avant que la police ne salope notre scène de crime. Bien, d'accord. Monsieur, bon. Vous dites qu'ils veulent nous évincer? J'ai envoyé Fletcher ce matin. Il surveille la récupération des preuves. Il a dû être retenu parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Ils n'y arriveront pas. La République tchèque a signé le mandat de l'ONU. Les activités terroristes relèvent de notre juridiction. Certes. Mais c'est l'ancien directeur de leur service de renseignement qui est à la tête de leur police. Il a trouvé une faille, et il invoque la clause d'exemption pour les attentats domestiques. Domestiques? Ils accusent la CDA? La Coalition pour les droits des augmentés? Il peut bien dire ce qu'il veut. Quand bien même il aurait raison. Je veux qu'on aille voir les choses par nous-mêmes. Par où je commence? En théorie, vous êtes censé avoir un entretien avec notre psychologue. Repartir sur le jeu. J'ai pas besoin d'un psy. Comme c'est pratique. Elle est pas au bureau pour le moment. Et je refuse de perdre encore plus de temps. Comment je me rends à Ruzica? Les transports en commun n'y vont plus. Je vais m'assurer qu'il fasse une exception pour vous. Allez au métro et appelez-moi une fois là-bas. Bonne chance, Jensen. Ok, monsieur. Bien, monsieur. À vos ordres, monsieur. Est-ce que vous avez du loot chez vous, monsieur? Boîte de classement... Blablabla. Yeah.
Hop. Ouais, il y a du loot. T'as pas du loot sur ton bureau? Non, ça va, ça te dérange pas trop, j'ai plus ton bureau. Ok, on lui pique même son pinard. Ouais, mais en fait, j'aurais pu... J'aurais pu venir après, en fait. Ok... Tic-tic... Ok, donc... Alors, déjà... Option... Audio... Ouais, on va activer les sous-titres. Voilà, volume des effets sonores, on va les laisser. Volume voix, on va laisser. Par contre, volume musique, on va bien baisser. Voilà. La musique est sympa, mais elle est un peu forte. Non. Ok, allez. C'est la triade de la flèche rouge. Je suis contente qu'on s'attaque à eux. Pour une organisation relativement récente, ils sont pas bêtes. Si on les laisse se développer, on pourrait avoir de gros problèmes. Merci. Ok, donc ici, on avait vu qu'il y avait du monde. Certainement parler à plusieurs d'entre eux. Salut. Problème avec le collectif. J'aimerais salut. N'auriez pas vu Vince? Salut. Des jours j'ai pas vu mon patron. Si ça se trouve, il est enterré sous une pile de gravats. Paralysant ainsi bien la nuit des heures et empêchant les transports médicaux de faire leur travail. Salut. Je viens voir s'il n'y a pas du loot dans ton bureau, ça te dérange pas? Non, ça va pas trop l'air. On a encore essayé de franchir notre pare-feu hier soir. Ah, c'est terrible. Il doit bien y en avoir au moins un qui a laissé des traces quelque part. Mais si t'as fait ton boulot correctement, normalement, tu peux pas rentrer. On a encore essayé de franchir notre pare-feu hier. Ah ouais, encore. Décidément. Bon, racontez pas grand-chose, les gars. C'est un peu triste. Hein. Ok, donc... Journal. Donc ça c'est mes augmentations, ça c'est mon loot, munitions Tesla, confirmer le bricolage, non. Ah non, ça c'est ce que je peux bricoler, d'accord. Ensuite, ça c'est les objectifs. Allez à Fruziska. D'accord. Allez à... Les tarifs à consommer, si je pense à un plus sur les nouvelles augmentations, je dois lui parler. Allez à Précasca, ou alors aller chercher le calibreur. J'irais bien me chercher le calibreur, mais je voudrais déjà en savoir un peu plus sur mes augmentations. Du coup, on va faire ça en priorité. Voilà. Bim, bim, bim. Hop, salut. Salut Adam. Ça va Argento? J'ai pas envie d'entendre ta vie, t'es gentil. Ok. Ah. Hey Adam, attends, c'est déjà assez pénible de remplir les demandes de ravitaillement de ma crédit. Je voudrais pas lui donner plus de raisons de me dire non. Ah. Dire non à quoi? Tu rigoles? Pour l'instant, t'es le seul agent augmenté en service actif. J'essaye de changer ça. Je lui repose la question presque toutes les semaines, mais jusque-là, il veut rien savoir. Vraiment? Tu sais pour quelle raison? Mes niveaux de stress seraient trop élevés. Il veut que je suive des cours de méditation et que j'emmène Chang avec moi pour qu'il se calme et qu'il arrête de changer les codes de... Bah, ça serait une bonne idée. C'est nul, j'aurais bien voulu retrouver ces types de Dubaï, moi. Tes niveaux de stress. Tu disais que tes niveaux de stress affectaient tes chances de retourner sur le terrain. Tu peux m'expliquer? J'ai développé une résistance à la neuroposine. Il m'en faut plus que la moyenne, surtout dans les situations de stress. Ils disent que je leur coûterais trop cher. C'est pas que de la discrimination, ça je pourrais gérer. C'est un mélange de plein de choses. Ce mélange de choses s'arrange pas à Prague. C'est même de pire en pire. C'est dur, hein. C'est dur la vie. Je sais, mais Interpol est la seule agence qui m'a donné ma chance. Et c'est là qu'on m'a assigné. Ça me pose pas de problème, je suis prête à tout accepter. Bien. Il m'a fallu des mois de rééducation pour m'habituer à mon nouveau bras. Pour réapprendre à tirer et à fermer lacet. Mais j'y suis arrivée et je suis meilleure qu'avant. Je veux aider et j'en suis capable. Ma place est sur le terrain où je peux faire la différence. Ouais, mais pas si t'es une grande stressée. Y arriver, moi aussi.
On n'aurait pas que tu commences à tirer sur tout ce qui bouge. Lâche rien, Aria. Accroche-toi. Ouais, c'est ça, accroche-toi. Super. Ok, Chang. Après l'attentat, quand Chang a changé les serrures et les codes, il avait des ordres. Il y avait une menace plausible. Peut-être, mais je crois pas, tu sais comment il est. C'est juste de la parano, en fait. Le gars, il est complètement à l'ouest. Beaucoup de gens sont là depuis déjà plus de 36 heures, et on peut pas dire que la police se montre franchement coopérative. Ça, j'imagine. Il nous a fallu des heures rien que pour obtenir les images de surveillance de la gare et des rues qui l'entourent. Comme s'il se méfiait d'Interpol, c'est bizarre. J'en viens presque à comprendre pourquoi Chang est parano. C'est vrai que Chang ne fait confiance à personne, et encore moins aux forces de l'ordre. Si tu le trouvais nerveux avant, il est encore plus fébrile depuis l'attaque. Il voit des connexions partout, seul, et va savoir s'il a raison. Le gars, c'est un grand fou. Explosion, c'est jamais bon pour le matériel électronique sensible. Non, on en a fait l'expérience. Va lui dire ça. Ok, l'enquête à Dubaï. J'en reviens toujours pas que Miller ait confié l'enquête à MacReady. Ouais, c'est une grosse tâche. Désolé, Adam, t'y étais aussi. Tu dois être aussi furieux que MacReady contre les types qui ont attaqué notre équipe à Dubaï. C'est vraiment triste. Non, c'est juste que ça me fait chier qu'il l'ait confié à l'autre tâche. T'as fait tout ce que tu pouvais. Et ça aurait pu être pire. C'est pour ça que je veux retrouver ces types. Je vais parler à MacReady pour voir ce que je peux faire. Ouais. Eh ben, bonne chance. Il m'a engueulé quand j'ai demandé si je pouvais aider sur l'enquête. J'aurais dû garder sa carte d'accès. Je veux pas qu'il vienne empester mon stand de tir. Ok, bon, on y va. Je ferai mieux. C'est clair. C'est bossé. Ouais, merci. On se voit plus tard. Ok, bon. Bah du coup, on n'a plus rien à faire ici. On se barre. Hop, on ouvre la porte. On active le lecteur de carte. Alex, la puce espionne a donné quelque chose ? On a quelque chose, mais Janus m'a pas donné les bons algorithmes pour les fréquences. Du coup, non, mais c'est une nouille. Tu peux régler ça ? Je suis pilote, pas programmeuse. Je peux le faire, mais il va me falloir du temps. Moi, j'ai toujours pas trouvé de pistolet tranquillisant, moi. Faut voir que je me décide. Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oui ? Oh non. Zut. Désolé de vous avoir envoyé balader, mais j'avais du monde. Mon code. On a tous un rôle à jouer, Sedlak. Comment ça se passe pour vous ? J'en viendrai presque à respecter les criminels qui s'occupent de leur façade. Problèmes de livraison, d'approvisionnement, fouilles abusives au poste de contrôle. Je croyais que cette boîte était une façade. La meilleure façade, c'est la vérité. Pradovos est un transporteur international enregistré D'accord. dans tous les pays de l'Union Européenne. Je peux ouvrir un bureau. Est-ce que vous avez pu parler à l'agent Chang quand vous étiez en bas ? Non. Pourquoi ? Non, je devrais. On a des problèmes bizarres en ce moment. Des bugs techniques, ce genre de choses. C'est sûrement rien, mais... Je lui en parlerai quand je le verrai. Jour. Chang trouvera ce que c'est, j'espère. Bon, je dois retourner au boulot. Ouais, c'est ça. Je suis contente que vous n'ayez pas été blessé dans l'attentat à Jean-Claude. J'espère que vous trouverez les coupables. Ouais, et je vais leur faire payer. Ok. Oh, un flingue. Madame, un flingue dans son bureau. Il est crédit. Hop, ordinateur, qu'est-ce qu'il y a ? On nous observe, pas à peine de t'inquiéter pour ce type. Ok. Espion. D'accord. C'est ça la vie d'espion. C'est toujours être dans la parano et tout ça. Ok, donc moi j'aimerais bien savoir où je vais là. Donc j'ai un objectif ici, c'est le métro. Et logement de Chicane. D'accord. Et j'ai un truc. Donc mon objectif qui se trouve ici. Donc. Voilà. Moi je crois. Hein. Il n'y aurait pas un truc genre. Ok. Pourquoi tu m'en mets deux maintenant? Ok, et ici.
Hop. Non, ça c'est un truc à saisir. Ok. Donc apparemment ça nous dit de descendre. On va descendre, hein. Ok. Hein? Mais pourquoi tu me demandes de descendre si c'est pour me faire remonter juste après? Arrêtez. Mais... qu'est-ce qu'on a ici? C'est ce que je dis tout le temps, madame. Salle de jeu. Dans la vieille Europe, les gens sont plus honnêtes. Ils se traitent tous avec respect. Si un homme a quelque chose à dire... Ah mince, dire, c'est pas la même mission. Poliment. C'est ce qui... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dégage, mec. C'est fermé. Oh, il est pas venu pour jouer, Vano. Non. Je me trompe. C'est vous, Otard? Je suis Monsieur Botcovelli, oui. Et vous, vous êtes qui? Je suis là de la part d'une connaissance commune. T'entends ça, Vano? Notre invité est un grand amateur de mystères. J'ai fini par apprendre qu'il valait mieux être prudent quand on ne sait pas à qui on a affaire. C'est vrai. Mais parfois ça cause des problèmes qui auraient pu être évités, à condition de se montrer un peu moins... réservé. Quand deux hommes se refusent à tout compromis, ils n'ont aucune chance de trouver un terrain d'entente. C'est clair. J'aimerais qu'on parte tout de suite sur de bonnes bases. Bien, voilà, partons sur de bonnes bases. Alors, comme vous connaissez mon nom, et sûrement bien d'autres choses à mon sujet, vous Omega, Beta. Par vous présenter. Profil psychologique. A toujours un comportement impeccable, conformez-vous au même principe. Devient agressif quand on l'insulte, faites preuve de respect en évitant toute condescendance. La plupart du temps, garde ses pensées et ses émotions pour lui, faites preuve de prudence. D'accord. Et ces trucs-là, c'est quoi? C'est... d'accord. Donc, son détour. Je travaille pour Interpol, mais je suis pas ici pour vous causer des ennuis. Le crime organisé, c'est pas mon domaine. Je suis venu récupérer une marchandise qui appartient à Vaclav Koller. Voilà. Regarde, Vano. Le dernier policier honnête de Prague. Koller doit beaucoup de bien à cette marchandise pour envoyer quelqu'un comme vous. Mais je vais vous dire la même chose qu'à lui. Non. Je ne vous donnerai pas le calibreur, pas plus qu'à lui. Traiter avec les augmentés, c'est néfaste. Et certaines personnes de cette organisation n'ont toujours pas compris. D'accord. Alors, est-ce qu'on le flatte? C'est plutôt de l'alpha. Et c'est plutôt du bêta, et ça, c'est plutôt de l'oméga. C'est pas Koller qui m'envoie. Il m'a juste expliqué la situation, et je lui ai proposé mon aide. Il avait l'air d'en avoir besoin. Mais en vérité, si je le fais, voilà. C'est surtout pour moi. J'ai besoin de réparation, et pour ça, Koller a besoin de ce calibreur. Tu y crois, Vano, à ce que dit cet homme? L'honnêteté, ça a l'air de compter pour lui. Je me demande si ses amis comptent autant à ses yeux. Alors dites-moi, monsieur le sauveur, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour aider un ami dans le besoin? Il y a des limites que j'irai, que je franchirai pas, mais... Quand on a besoin de mon aide, je suis là. Je fais tout ce que je peux. C'est ce que je me tue à lui répéter.
On peut obtenir tout ce qu'on veut simplement en discutant. Mmh. Je vais vous donner ce calibreur. Ouais. Et tu veux quoi en échange? Et qu'est-ce que ça va me coûter? Pourtant, cet homme, Vano, il a obtenu ce qu'il voulait, mais il y croit toujours pas. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tu vas juste me le donner comme ça, par gentillesse. Ça va vous coûter? Un service? Mmh. Quel genre de service? Vous en faites pas. Je vous le ferai savoir le moment venu. Ça sera pas trop douloureux. Pour vous. Qu'est-ce que vous en dites? Marché conclu, monsieur. J'ai pas trop le choix. Jensen, marché conclu. Bien. Le calibreur de Coller se trouve dans un coffre, là-haut, dans mon bureau. Je vous recontacte. Quoi? J'allais dans le bureau, c'est ça? Quoi le délire? Il devrait pas être là. Ça suffit. Un homme d'affaires avisé garde toujours une option. On peut pas se fier au câblé. Moi, ça me choque pour un quête de nous ne manquons pas de suivre les développements à l'ONU au plus près. C'était Elisa Kassan, en direct. On va faire des trucs que tu regretterais. Peut-être des batteries, mais on a mieux. Achète des batteries. J'aime pas être aussi près d'un de ces connards. Dans le coffre, il m'a dit, c'est ça? Pourvu qu'il fasse le con, ça serait marrant comme baston. Ah, calibreur, ok. C'est bon, Coller. J'ai ton calibreur de neuroplasticité. Génial! J'ai de prévoir un moment pour la procédure d'optimisation. Dès que j'aurai terminé ma petite visite à domicile. Attends, comment ça? Ah, c'est que j'ai un autre client, tu vois. Et il aime pas trop qu'on le fasse attendre. Moi non plus, Coller. Préviens-moi quand t'es prêt. Et ensuite. Il y a des passages de parcours. Un fusil de combat. Ah non, j'ai mon inventaire qui est plein. Déjà. Oh. Bah ça alors. Ouais bon, de toute façon on n'en a pas besoin, on va le laisser. Ah, mais sinon... D'accord, on pouvait par ici. Mais pour ça, il faut la super force et je crois que je l'ai parfait. La loyauté, ça compte. Ok, du coup, du coup, c'est fait. On a fini. Ok, donc l'autre mission secondaire. Allez, on y va. Aïe. Je suis pas parti du bon côté là, je crois. Ah bah non, l'échelle est là. Bah alors. Ok, ici on peut pas rentrer. Et du coup on est obligé de repasser par... Et l'autre, c'est là-bas à 80 mètres. Je veux juste terminer ce tour de garde. Eh ben, bon courage. C'est bon, Miller, je suis au métro. Pile à l'heure. Chang me fait dire que votre wagon privé arrivera dès que vous sélectionnerez Ruzicka sur la carte. Chang ? Vous lui avez fait pirater les transports publics de Prague pour que je puisse rejoindre... Le plan A ne donnait rien. T'es gonflé, mec. T'es salement gonflé, mec.
Alors, on a ici interrogé Sarif. Et sinon, c'est... Ok, on va aller interroger Sarif. Sarif, donc, on interrogera dans le prochain épisode. Voilà, puisque, bah, du coup, il va être temps de se quitter. Et ouais, déjà. Déjà, ce que le temps passe vite. Eh ben, les gars, ils ont ces augmentations quand même. Bras, jambes. Ok. Palissade quand même. Nos politiques. Je pourrais crever froid. Magnifique. Voilà. Donc on continue. Les rues sont remplies en guerre. Eh, ça va. On n'a aucun temps de se voilà. Et en fait, on retourne à la maison. Voilà. Biocellule, antidouleur, tout est là. Salut. À bout de les crédits. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre? Je peux te vendre ça. Neuroposine. Non, non, ça je le garde. Ça je garde. Ça je... Non, je sais pas, je vais... Ouais, ça je vends. Ça je vends. Voilà. Qu'est-ce que je peux vendre encore? Ben rien, le reste c'est... Ok. Voilà. Et qu'est-ce que je peux acheter? Donc, t'as des armes. Système de visée, lunettes, pistolet 10 mm, fusil à pompe. Non, t'as pas ce qui m'intéresse. Aussi une biocellule, pack de praxis, des boulettes. Ok, bon. Voilà. Rien de plus intéressant que ça. Arrête de me faire perdre mon temps. Non, mais arrête de dire que je t'ai fait perdre ton temps. Je vais te mettre une balle, toi. Putain d'augmenter. On peut compter sur Tars. Tu devrais pas fumer, c'est mauvais pour la santé. Voilà. Hop. On retourne. Ah, c'est un oiseau, j'ai cru que c'était un mec qui tombait. Mais c'est... Ah, c'est là chez moi. Zut, mais j'avais même pas fermé la porte. Ok. Ok, donc eh bien, on va se quitter ici. Voilà, dans le prochain épisode, on contactera ce cher Sarif. Oula, pardon. On contactera ce cher Sarif. Vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager les vidéos. C'est toujours un plaisir d'être liké et c'est toujours un plaisir... qu'on partage les vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures et je vous fais des gros bisous.